Votre smartphone fonctionne toujours parfaitement, mais vous souhaitez en changer. Mais le problème, vous craignez que le nouvel acquéreur puisse accéder à des données personnelles oubliées sur votre appareil. Voici un tutoriel pour éviter toute mauvaise surprise. Here we go. Se désinscrire des services de Google, comme Gmail, Google+, ou YouTube, est assez facile. En effet, la démarche se réalise en quelques étapes, puis une fois la suppression validée, vous êtes débarrassé de votre compte. Donc voici comment faire. Cliquez en haut à gauche de la page Gmail, et cliquez sur Paramètres en dessus de la page. Puis choisissez votre adresse, et cliquez sur Mon compte. Si vous voulez juste changer votre mot de passe, cliquez sur Connexion et Sécurité. Ici, vous pouvez sécuriser votre compte Gmail. Si vous voulez récupérer vos données, comme les photos, les contacts et aussi les emails avant la suppression, allez sur Données personnelles. En bas de la page, vous trouvez Télécharger vos données. Cette étape est optionnelle. Puis allez sur Préférences du compte, vous pouvez supprimer certains produits de votre compte Google à tout moment. Pour supprimer un produit que vous n'utilisez plus, cliquez sur Supprimer des produits Google. Vous serez peut-être invité à vous connecter. Une liste des produits sera affichée. À côté du produit que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Supprimer. Si vous voulez supprimer toutes les données de votre Google, cliquez sur Supprimer votre compte Google. C'est tout sur votre smartphone, donc voici comment faire sur votre ordinateur. Donc c'est presque la même manipulation. Cliquez sur Paramètres, puis sur l'onglet Compte et Importation. Ici, pour modifier ou récupérer votre mot de passe, cliquez ensuite sur Paramètres de compte Google. En bas, vous trouvez Supprimer votre compte ou des services Google. Suivez les étapes, comme avec la version mobile. C'est tout dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de t'abonner. Merci et à bientôt.